La corde de Do. Quand on commence la corde de Do, c'est un peu un stretch pour se rendre. Faut pas se décourager, tout le monde y arrive. Sauf au début, c'est un peu difficile. Premier niveau de difficulté, jouer la deuxième corde ici. Jouer la deuxième corde ici. Pendant que celle-là, la petite corde, continue de résonner. Mettre l'index ici. Et jouer l'autre corde en même temps. Si l'index est trop bas, il bloque la petite corde. D'arriver plutôt droit avec l'index. Premier niveau de difficulté. Deuxième niveau de difficulté, la même chose, mais ici. La corde de sol, celle-là ici, se doit de résonner librement. Ce qui fait que ce doigt-là aussi doit arriver relativement droit. S'il est trop plié, il va bloquer celle en dessous. Source de grande frustration. Et le troisième doigt s'en vient ici dans la troisième case. Au début, on a le droit de jouer la grosse corde avec. Éventuellement, on l'empêche de résonner en la touchant avec ce doigt ici, ou avec le pouce, ou carrément on fait Do, Bas, Sol, puisque ça sonne bien. Important de savoir dans la corde Do, la note Do se trouve ici, et l'octave ici. Ce sont les deux notes Do de la corde Do. La corde La, comme ceci. Il s'agit d'une petite couverte, une petite corde ouverte, à vide, et peser les trois cordes suivantes dans la deuxième case avec n'importe quel doigt. Prendre ces trois doigts-là, ces trois doigts-là. Dans la guitare n'a pas de préférence avec lesquels trois doigts on prend. On peut prendre deux doigts, deux cordes avec un doigt. La guitare n'a aucune préférence à savoir quel doigt on prend. J'ai des étudiants qui le font de toutes sortes de façons, pourvu que ça sonne comme ceci. Ensuite, la corde La. Cette corde-ci, c'est la corde de La, ouverte. La corde de La. Les trois notes. La petite corde. Et on a droit, si on veut, à la grosse corde. Puisqu'en théorie, elle fait partie de l'accord. C'est important à savoir, c'est les notes La, dans la corde de La, se trouve ici. La corde ouverte, celle-là, et la deuxième frette ici, sont les notes La, de la corde de La. L'accord Sol, l'accord de G, comme ceci, ou comme ceci. On a besoin de la troisième frette sur la grosse corde, la troisième frette sur la petite corde, et on a besoin de cette note-là ici, la deuxième frette de la corde suivante, juste ici, ces trois-là. Les deux cordes du milieu ici, on ne met pas de doigt dessus, ils vont rester ouverts. Cette corde-ci, la corde de Si, on a deux choix. On peut la laisser ouverte ou peser ici à la troisième frette. Vous comprendrez plus tard dans le cours du Cage System. Pour l'instant, c'est comme on veut. Donc, ça veut dire qu'ici, on a droit. Disons, le petit doigt, troisième frette, le troisième doigt ici, à la troisième frette. On étire le deuxième doigt jusqu'à la troisième frette en haut, et l'index à la deuxième case de la corde suivante. Une version de l'accord de Sol, l'accord de G avec quatre doigts, ou si on veut ici, on peut omettre ce doigt ici, tout descendre. Et avoir cette corde ouverte. Donc on se ramasse avec la troisième case. Corde ouverte, corde ouverte, corde ouverte. Deuxième case, troisième case. La corde de Sol, la corde de G. Ce qui est difficile au début, c'est surtout ce doigt ici, l'index, s'assurer qu'il ne touche pas à la corde suivante. Pour qu'elle résonne. Sinon, ça fait comme ceci. Même chose avec le deuxième doigt. Si celui-là ici. S'il est trop baissé, il va empêcher cette corde de résonner puisqu'il la touche. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas
qui ait d'interférence entre le pic qui est ici, plus bas ici, sur cette corde, entre le pic et la note qui est jouée. Donc si j'ai un doigt ici et qui touche à la corde, il va l'empêcher de sonner. Ça fait ce son-là. Comme si je lève mon doigt, là on a le bon son. L'accord de sol. Note importante. Ça, c'est la note sol. Troisième fret. La corde ouverte. La corde de sol. Celle-là ici. C'est la note sol. Et la troisième fret sur la petite corde. C'est la note sol. De l'accord de sol. Très important pour plus tard. Accord de E. Ou Mi. Accord de Mi, accord de E. On part avec la petite corde ouverte, la seconde corde ouverte. La troisième corde ici, ça prend un doigt à la première case. Les deux doigts suivants, ça va dans la deuxième case. Chacune des cordes et la grosse corde ouverte. Faire attention pour que ce doigt-là ne couvre pas. Celle-là ici, donc il faut qu'il arrive relativement droit. Et même chose pour l'index. S'il est courbé par en bas, il va empêcher la prochaine corde de sonner. Il faut le lever. Important, la corde de Mi. La grosse corde, c'est la note Mi. Je trouve ici, disons, la note Mi. Sous le troisième doigt, c'est la note Mi, l'octave. Et la petite corde. C'est la note Mi aussi. Donc, on a trois fois la note Mi dans l'accord de Mi. L'accord de D. L'accord de Ré. On commence avec le deuxième doigt dans la deuxième case. Ici. Le troisième doigt dans la troisième case de l'accord suivant. Et le premier doigt dans la deuxième case de l'accord suivant. Ça commence avec une forme triangulaire, avec deux doigts dans la même case et un autre dans la corde suivante. La corde ouverte ici, la corde suivante, c'est la corde Ré. Quand on l'accorde sur la note Ré. La note Ré, comme dans l'accord de Ré. Très important de savoir que Ré et D, c'est la même chose. En théorie, on a le droit à la corde suivante ouverte aussi, puisqu'elle fait partie de l'accord. Ça serait important sur l'accord de D, si on veut que ça sonne bien, de ne pas jouer la grosse corde. Si on veut la jouer, la note ici fait partie de l'accord. À la deuxième case. On peut s'y rendre avec le pouce. Ou carrément faire comme ça. Ce serait un peu stupide au début parce que c'est un peu difficile. Alors au début, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on fait l'accord de D. C'est qu'on essaie de ne pas jouer les grosses cordes, tout simplement. On commence ici. Oui, c'est difficile pour le pic, mais on s'habitue, il y a des choses pires que ça dans la vie, écoutez-vous. Ça devient facile avec le temps. Chose importante à savoir, c'est que la note Ré est ici, la corde ouverte, celle-là ici, la corde ouverte D, et la note ici, c'est la note Ré aussi. Ré, D, D, Ré. Très important pour plus tard.